Chers amis, aujourd'hui nous fêtons Saint Antoine de Padoue, un saint très populaire. Et ce matin, en tenant compte bien sûr des contraintes liées à l'épidémie, notre évêque a célébré avec les chrétiens du nord des Ardennes au sanctuaire des Hauts-Butées. Demain, nous célébrerons la sonalité du Saint-Sacrement. Comme mardi soir, où je vous avais proposé de méditer sur le mystère de la Trinité à partir d'une icône, je voudrais ce soir entendre avec vous l'évangile de demain et le méditer à partir d'une autre image, celle d'un chapiteau roman. Je sais bien qu'à la radio, c'est un peu un défi pour moi, certainement un effort d'imagination pour vous. Je vous en remercie. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher par vous-même cette image. Et réécoutez en post-4 cette émission ou en streaming sur la chaîne YouTube de la radio. Merci aux techniciens d'avoir mis en incrustation l'image. Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit. Amen. Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je vous propose donc ce soir de méditer ce passage avec l'aide d'une sculpture. Un chapiteau roman du XIIe siècle de la basilique de Vézelay. On l'appelle le moulin mystique. Je vais essayer de vous le décrire. Deux hommes sont représentés. Entre les deux, un moulin mécanique est entraîné par une roue dentée à quatre rayons qui forment une croix. Le personnage de gauche verse dans la trémie du moulin un sac de grains qu'il porte sur ses épaules. Visiblement, c'est lui qui actionne le mécanisme avec son pied. Le personnage de droite, lui, reçoit la farine dans un sac. Tout cela semble bien banal. Un geste du quotidien, comme un instantané de la vie des hommes qui l'ont sculpté. Pourquoi cette représentation dans une église Regardons ces deux hommes de plus près. Celui de gauche est vêtu d'une tunique courte alors que l'autre porte une tunique longue. On reconnaît ainsi un lien de subordination de l'un sur l'autre. La tunique courte pour les anciens était celle du serviteur alors que la longue était celle du maître le serviteur verse, le maître reçoit, cela semble cohérent. Mais pour les qui est habitué aux chapiteau romans, la tête du serviteur est placée en haut, au centre, le lieu de la primauté dans la composition de l'image, alors que celle du maître est sur le côté. Le serviteur serait-il plus grand que le maître ou le service est-il majoré cela nous conduit à une première interprétation. Nous nous appuyons sur une inscription de l'abbé Sugère, abbé de Saint-Denis, qu'il a mis sur un vitrail dans sa basilique, avec le même thème iconographique et à peu près les mêmes dates. Celui qui verse est identifié à Moïse, et à travers lui tous les prophètes de l'Ancien Testament et celui qui reçoit à Saint Paul est à travers lui tous les auteurs chrétiens, l'Église et nous avec eux. Alors le sens du chapiteau devient lumineux. De la même manière que tout le grain contient la farine sans que celui-ci ne soit directement visible et consommable, de la même manière l'Ancien Testament contient toutes les promesses de vie et de salut du Nouveau Testament. Mais pour que le grain donne la farine, il faut qu'il soit broyé par le moulin. Ainsi en va-t-il du salut en Jésus-Christ. Il faut que la parole de Dieu soit broyée par le mystère pascal, par le passage par la croix. De fait, nous l'avions remarqué, la roue dentée est bien marquée du signe de la croix. Mais toujours à la manière des anciens, nous pouvons aller plus loin dans l'interprétation. Le personnage identifié à Moïse a un visage reconnaissable pour celui qui est entré dans la basilique. C'est le même visage que le grand Christ du tympan au portail d'entrée. Et en regardant bien, on découvre dans les plis de son vêtement une même spirale que celle qu'il porte sur le portail. Nous comprenons maintenant pourquoi celui qui verse le grain est positionné dans le chapiteau en haut au centre. Il révèle le Christ, serviteur que Dieu a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, dit l'hymne aux Philippiens. En Moïse, c'est déjà le Christ lui-même qui apporte la parole de Dieu. Il est le verbe de Dieu qui sera broyé par la croix. Caché mystérieusement dans le don de la loi de Moïse, broyé par ses souffrances, il devient froment pour donner le pain aux hommes. Il se fait nourriture, pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, dit Jésus. Le pain eucharistique que nous recevons en communion. Est fait, si vous me permettez de le dire ainsi, de cette farine spirituelle, qui est annoncée par les prophètes, qui est mémorial du mystère pascal et qui est aussi promesse de vie éternelle. Voilà ce que nous allons célébrer demain, dans la fête, dans la solennité du Saint-Sacrement. En fait, ces trois sens d'interprétation que nous venons de dégager, un sens littéral. Ici, un homme verse du grain. Il est broyé et un autre en reçoit la farine. Un sens théologique. Ici, le Nouveau Testament est déjà contenu dans l'Ancien Testament. Et un sens porteur d'une promesse. Les théologiens utilisent le mot savant de sens eschatologique. Ici, le pain eucharistique est le Christ lui-même qui nous invite. Au repas messianique. Et il y en a même un quatrième, un sens qui nous implique. Nous le déduisons de l'interprétation eucharistique du moulin mystique, car si nous mangeons le pain fait de la farine produite du moulin, si nous communions au corps du Christ, nous faisons corps avec lui, dans tous les sens du mot. Nous sommes invités à passer par le mystère pascal par lui, avec lui et en lui, à dire Amen et à le suivre dans notre temps présent. Cela nous engage. C'est avec la séquence que la liturgie de demain nous propose que je vous invite à continuer notre méditation sur le pain eucharistique. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, Ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. comme le Seigneur lui-même nous l'a appris, nous demandons notre pain quotidien, nous disons, Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.